Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est GM Reptile 71. Moi ça va super, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle fabrication de mes terrariums. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo étape par étape de la construction de mes terrariums. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'avais le terrarium du Varanus exanthematicus qui se trouve ici juste en bas. Donc j'ai voulu faire quelque chose de sympa en mettant le terra des pitons, donc faire un truc maison. Donc j'ai fabriqué cette, on va dire, batterie de terrarium. Donc alors avant de commencer, je tenais juste à préciser, j'ai déjà découpé les planches au magasin, donc pour me faciliter un petit peu le travail, et, parce que moi je travaille beaucoup à la scie sauteuse, donc derrière ce sera pas droit, ce serait pas net. J'ai préféré les faire découper avant, comme ça, ça me fait gagner du temps. Donc voilà. Et maintenant, c'est parti, place à la création. We'll be right back.
voilà, donc j'ai pas eu le temps de filmer la pose des joints et puis l'installation des terras. Donc là, comme vous voyez, donc premier terrarium avec des cachettes, le point d'eau, pas mal de petits, petits feuillages, branchages. Deuxième terra de même, cachette, pas mal bien garnie avec avec l'eau. Au plafond, c'est des LED. Hein. Les pitons n'ont pas forcément besoin d'UV, donc j'ai mis des petites LED histoire de pouvoir les voir quand même un petit peu, même si ça sort pas tellement la journée. Aération haute, aération basse, donc haute pour l'intérieur et devant basse. Contrairement au varan qui est sur les côtés. Et derrière, donc il y a toute mon installation. Il y a toute mon installation des boîtes et puis mes câblages. Donc voilà. Et ma petite déco au-dessus. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit commentaire, donnez vos avis. Si au cas où vous avez créé vos propres terrains, postez des photos, ça me ferait plaisir de voir vos talents. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous parler enfin de mes pitons. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !